Salut à toutes et tous et bienvenue sur Kawada TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier puisqu'il s'agira de Orc Must Die. Et oui, un let's play sur Orc Must Die. Alors qu'est-ce que c'est que Orc Must Die? Eh bien écoutez, j'en sais rien. C'est ça le truc, c'est que je vais le découvrir. J'ai entendu parler depuis bien longtemps de ce titre-là, mais je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Pendant 300 scénario. Ans, j'ai combattu pour l'ordre. En tout cas, ça a l'air bien fun, j'aime beaucoup j'ai le chara-design. J'ai tué des milliers d'orques, défendu des douzaines de failles. Et voilà comment tout se termine. Une glissade sur une flaque de sang de kobold, et je me fracasse le crâne sur les marches de l'entrée. Excellent. Désormais, la tâche de défendre la forteresse revient à mon... apprenti. Cette tête voilà, de winner. Voilà. Il me rappelle Brutal Legend. Est condamné. La tête. À moi de jouer maintenant. Alors. Repose en paix, vieux fou. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il m'a laissé dans ce mémoire ? Viser, c'est là, d'accord. Alors, excusez-moi, hein, je vais tester. Donc, me semblait-il, ça avait l'air d'être un Tower Defense. Extrêmement bourrin, par contre. Très, très, très bourrin. Il se disait d'appuyer sur bas. Épée. Alors ça coûte 300. Non, ça me prendra 300. Ouais, non, ça me prendra 300. Ouais. Et comment on fait pour prendre le reste? Ah, d'accord, c'est joli. Alors ça, déjà, c'est pas terrible. C'est joli! Un bouton pour changer son arme normale. Et un autre bouton pour venir dans ce menu là en fait. Menu un peu passif, entre guillemets. Ça va pas être GG pour moi là, déjà. Mais bon, c'est pas grave, on va pas commencer à se plaindre. On va tester ça. Et on peut vendre ses pièges. Est-ce qu'ils vont tout droit? Alors dans les Tower Defense, les adversaires, c'est pas forcé qu'ils aillent toujours tout droit. Allez, bon, on va lancer la vague. Donc d'accord, donc ils doivent pas arriver à mon avis ici. Ça, hein. Ouais, y a rien là. Ah, y a un bouton pour sprinter, c'est le A. C'est très bon. Pardon, le B. Ouais, voilà, donc effectivement, ça va être très bourrin. Excusez-moi, je tire un peu tout droit, c'était le temps d'enlever une... Un insecte agressif qui venait de me... essayer de me mordre l'oreille, la sale bête. Ici l'épée, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Ça a l'air sympa. Alors, mis à part que je baisserai le son pour les prochains épisodes parce que ça va vite me mettre mal au crâne, c'est quand même extrêmement bourrin. Eh bien, le jeu me plaît beaucoup. Alors, il y a une potion, j'espère que je pourrai la prendre, qu'elle restera du moins. Ça me plaît pas mal du tout, c'est bien sympa. En plus, j'aime bien ouais, le chara-design encore une fois. Oula, ouais, bah, le corps à corps. Faire gaffe. Hein. Ouh, c'est sympa ça. Alors, il va falloir que je n'aille pas trop dans les boutons pour changer d'arme. Alors, est-ce que c'est plus précis? Pas vraiment. Ouais. Bon, autant laisser appuyer sur le bouton. Alors, on peut rajouter des trucs en temps réel si on a la thune. Ça, c'est pas mal. Je viens de le voir. Hein. Les thunes sont rouges. Et je gagne assez d'argent. On va bien se rappeler des boutons. Mais vous voyez, si vous voulez enchaîner, vous gorez de boutons, ça va être relou, ça, je pense. Hein. On va mettre encore des choses trap, j'avais bien aimé ça. Le clou de la glu, c'est pas mal aussi. Hein, le marais de goudron. Et ben on va les attendre là. Oh putain, il y en a déjà un mort. Très bien ça. Ouh, ça fait des dégâts ce truc. Ah non, en fait ça les assomme. Contact!
Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça doit paraître bizarre que je dise ça, avec une telle voix d'ailleurs. Mais c'est un très bon film. Et le gars, quand il dit ça, il a une, juste une minigun dans la main, et il passe une forêt à la minigun. Oui, oui, il découpe une forêt à la minigun, c'est bien sympa. J'aime bien cette scène. Bon, en tout cas, mes pièges marchent bien, vous voyez. Enfin, c'est les premiers niveaux, donc je pense que c'est plus de didacticiel qu'autre chose. Est-ce qu'on peut enchaîner dans les airs? Voilà, go. Ouais, c'est fait pour faire du zoning, quoi. Oh, yes! Oh! J'aurais pas fait ça à sa place! Quel inconscient! Le grand écart sur un chasse-pointe, enfin sur un chausse-trap. Oh là 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 là. J'aime bien les dessins, sont sympas. Ah bah c'est ce qu'il montrait, non? Ouais, mur de flèche. Je gagnerai un nouveau joujou pour chaque faille défendue. Ah ça c'est bon ça, d'accord. Alors il y a deux portes à mon avis. Ce que je vais faire, je vais briser la logique pour une fois. Enfin ça comme ça. Attention, peut entraîner la mort. Et puis comme ça, ce que je vais faire... voir ce que ça peut donner le petit combo de ça. Là, j'ai plus de thunes. Et je me mettrai plus de ce côté-là à tirer, je pense. Ah, je vous attends. Alors comment ça se passe? Ah mais ça se passe plutôt pas mal, la mélasse. Ah, il y a un cooldown. Un cooldown pour le piège. J'espère qu'il tire pas qu'une fois. Oh la blague! Tire! Ah ouais, il tire! C'est bon ça! Il y a même un qui a attrapé un jump tellement il était content. Bon, mais en fait, la deuxième porte n'a pas été enfoncée. Je pense que soit ça va arriver dans le deuxième temps, soit pour la vague d'après, peut-être, je sais pas. Ouais, ils sont peut-être pas vaches dès le début. Yes! À mon avis, finalement, il va arriver de là, ouais. Vous voyez, des fois, sur un tour, vous allez pouvoir juste poser des trucs pour ralentir. Et puis, finalement, sur le tour d'après, vous allez pouvoir mettre les pièges quand il y a vraiment plus de monde. Ben, finalement, là, vous voyez, si vous pouvez vous en sortir à l'arc, pas besoin de mettre forcément les flèches. Plutôt essayer de les ralentir. Ouais, donc, il n'y a personne qui arrive de là-bas. Ouh, c'est le massacre. Mis à part qu'il faudra... je règle le son parce que franchement c'est violent. D'ailleurs j'ai mon cerveau qui tente de se barrer par l'oreille droite là. Malsain. Ouais, ça va assez vite la vie hein, quand on prend un taquet. Je veux bien pas faire ma fillette, mais... même c'est quand même des orques. Ouah, ma vie. Comment on fait? Ah, le changement d'arme, je vais le maudire. Préparez-vous à avoir les oreilles qui saignent à force de m'entendre insulter le changement d'arme, les gars. C'est trop chaud, quoi. Alors, dans la mélasse... Ils vont arriver des deux côtés à la fois, maintenant. L'épée, j'arrête tout de suite, hein. C'est pas une bonne idée, hein. Gagné. C'est bon. Et ça a bien fait de l'autre côté. Je pense qu'il y a une mouche qui m'effleure, je meurs. Donc on va vite prendre ça. Ah, ça remonte à fond, trop bien. Ah, j'ai plus assez de mana. Innerve. Need mana. Rire sadique et démoniaque.
Surprise ! Les pièges, c'est trop bien. Oui, j'avoue. Même si je l'aurais peut-être pas dit avec une voix aussi burlesque. Là c'est bien, ça doit être la grosse vague de foule à mon avis, parce que il me laisse tout mon temps. On va se mettre ça en décalé mon cochon, tu vas voir, ça va faire mal. Ouais, vous venez quand même de vous faire traiter de cochon avec un tu en plus, mais pas le prendre mal. Allez. Non, c'est une blague. Maintenant on commence à se connaître. Oui, bon sang, ouais, meilleur du monde. C'est une bonne idée, vu que les towers. Ouah, les tower defense, le principe réside de les attaques de masse en fait. Là c'est pas mal d'avoir pris l'idée finalement de prendre des orbes quoi. Et puis de l'avoir rendu actif. D'autres jeux qui ont tenté la même chose ne peuvent pas se targuer d'être aussi fun. Ouais, bon, mes pièges finalement n'auront pas servi à grand chose derrière, mais. Yes! Statistiques. Acheter des améliorations. Ah bah oui! Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? On va améliorer les. J'aime bien ça là. Ralentissent encore plus les ennemis. Ouais, moi je veux bien. Eh ben, il est bien sympathique. Alors, à mon avis, voilà, c'est ça que je vais débloquer. À chaque fois, il nous montre au final ce qu'on débloque. Nouvelle forteresse, nouvelle faille à défendre. Ils arrivent toujours à enfoncer les portes. Il faudrait peut-être penser à faire quelque chose. Et les tonneaux explosifs. Ça, ça doit bien être sympa aussi. Alors, combien j'ai 3000. Oh, putain. Le mec, c'est vraiment un gros sadique. Ça me fera plus mal à moi qu'à vous. Non, attends, c'est l'inverse. Et il me reste plus que 200. Ah. On va se mettre ça où? On va se mettre ça. Ben ouais. Alors est-ce que les flèches vont le faire péter quand elles vont tirer? Je sais pas du tout. Je parle pas de mes flèches, hein, je parle de mon mur de flèches bien sûr au cas où. J'espère qu'il y a bien de ce côté en fait. Ouais c'est bon. Enfin, ouais c'est bon. Hey, venez, il y en aura pour tout le monde. Ça rappelle des bons vieux jeux d'arcade. Alors, est-ce que je peux? Oui. Explosion et descente, par contre. Ça va être super. Ça va être super. Moi, je continue à kiffer mes trucs comme ça. Ah, il monte dessus direct. Bon, moi je serais pas embêté. Oula! Archer. Ils arrivent jamais en première ligne ces gens-là normalement. Merde, j'ai tiré sur le tonneau derrière. Yeah, bande de nuls. Donc vous l'aurez compris, le but c'est bien sûr il y en a aucun qui passe foutre dans votre zone que vous devez défendre. Il y a une tolérance, je crois que ça doit être, enfin j'imagine hein, que ça doit être 3, 5, ça dépend du niveau de difficulté. Je pense d'ailleurs si on avait un indiqué de niveau de difficulté. Ça va être super. Ah oui, bon bah j'ai ma réponse. Les pièges font péter les tonneaux. Voilà, d'accord. Ah bah. À la limite, il n'y a même pas à se casser le peignoir. On va en placer un au bon moment.
cool ça. Relativement buggé d'ailleurs. Oh, parlons de buggé. Il est mignon. Hormis pour l'instant une bande son bien, mais très présente. Pas vraiment de gros. Ça va chatouiller la plante des... gros truc à dire, mis à part, ouais voilà, cette histoire de changement de bouton, je trouve assez désagréable. En fait, pour mieux vous expliquer, vous avez LB qui vous sert à changer tous vos sorts passifs et le jaune qui vous sert à revenir sur votre principal. Je trouve ça un peu curieux. Mais bon, écoutez. C'est ainsi fait, je regarderai au pire si je peux changer ça. 300, peut-être plutôt presser des tonneaux. Oula, il y en a déjà. Tiens, sur le show strap, non, sur le deuxième, hein, on va être pervers. On va voir, peut-être ça, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et puis celui-là, on va se mettre un petit tonneau de défense, puisqu'on en est là. Je pense que c'est la dernière horde, hein. Ouh. Ah, ça peut être sympathique là, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent là, les autres troupes. S'ils ont des véhicules, s'ils ont des animaux, des... Ça peut être vraiment, vraiment sympa le principe du port du Tower Defense. Moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Ça m'est arrivé de passer quand même assez longtemps sur ce genre de jeu des fois. Ouais, deux pièges au même endroit, il m'a dit non. Hein. Oh là là, imaginez-vous une dizaine de murs comme ça, mais les mecs ils passent plus quoi. C'est mort. Alors sachant que bien sûr on peut revendre ces pièges, ils sont devenus obsolètes pendant la bataille là, comme dans tout Tower Defense qui se respecte. En tout cas je pense que c'est ça parce qu'on peut faire tout le reste aussi. Et donc par exemple rajouter encore des murs si vraiment vous êtes dans la merde. Mais bon, on attendra d'avoir la manette bien en main pour tenter ce genre de prouesse. Bah toi aussi. J'ai un peu de décalage, oui. Dis, je crois que je vais vomir. Oh. Je me fais agresser par une mouche là. Barre-toi. Alors. Comme je disais, voilà, en plein milieu, on peut vendre ça, par exemple, pour se faire de la thune. Pour pouvoir prendre, hop, par exemple, des murs comme ça. Là, je pense qu'ils ne passeront pas du tout. Hein? Je pense que c'est mort pour eux. Pas vraiment de réticule, hein. Allez. Ah, j'allais dire, les archers, ils sont pas assommés quand je leur tire dessus le deuxième tir. Allez, les gars. Nettoyage sur l'allée 3. Oh là là là. Ils sont un peu déchirés là au niveau chronologique les mecs. Moi faudrait partir du principe que les orques aient vraiment existé et là on va soulever un débat que nous pouvons. Enfin. Dont nous ne pouvons pas parler là tout de suite. Car oui, le mercredi après-midi, j'organise aussi des débats sur tout ce qui est animal de légende. Licorde, chimère, licorde. Oula, licorde. C'est de la liqueur que j'ai dû boire, non? Pour dire des conneries pareilles, là. Plus de drogue pour ce mec, s'il vous plaît, merci. Aïe. Je voulais... Ah, les boutons. Vous voulez me faire plaisir en faisant ça? Ah, moi, ça, le gros sadique. Oh là. Quelle santé, quelle souplesse. J'aurais peur de me relever sans certaines parties, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, sur cette belle victoire, je vais vous dire à une prochaine fois, pour un prochain épisode certainement de Orc Must Die. Ou autre jeu. Allez, ciao, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous, et have a good game d'ici là.